Salut Seydon, aujourd'hui c'est un projet qui me tenait à cœur de vous présenter tout ça parce qu'aujourd'hui j'ai déménagé, j'ai quitté Paris, pas encore mais bientôt. Du coup on se retrouve à Clermont-Ferrand parce que bah du coup voilà, j'ai ma copine qui est ici et pour moi je voulais quitter la banlieue parisienne et comme vous pouvez le voir bah, j'ai acheté cette magnifique maison. On va faire le tour un peu, vous faire visiter à l'intérieur. Du coup il y a la setup bien évidemment. Je vous parle de ce projet parce qu'en fait à l'intérieur déjà ça risque de résonner, d'accord? Donc si ça résonne je suis désolé pour le son, mais surtout en fait là je vais faire du coup la setup, je vais vous montrer les avancées de l'intérieur parce que du coup je vais vous montrer aussi toute la maison, c'est-à-dire le salon etc. Après voilà je vous montrerai tout ça. S'il y a des marques qui veulent du coup m'aider dans ce projet fou parce que du coup voilà je repars de zéro, je veux du nouveau matériel. S'il y a des marques qui sont disponibles, n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous avez mon arrobase, mon mail, tout ça dans la description. Si aussi il y a des marques, par exemple, qui veulent faire, je sais pas, qui veulent venir donner un canapé ou un frigo gratuitement, c'est avec plaisir. Viens, je vais te montrer dedans. Du coup, alors, ça résonne beaucoup. Je suis désolé, il n'y a encore rien du tout. On va tout changer. Donc, au niveau, déjà, je vous dis direct. J'ai été cramé, il y a un abonné, c'est mon voisin. C'est improbable. Du coup, dédicace à Haroun. Il habite juste à côté, c'est mon voisin. Donc, improbable. Donc, là, ce qu'on a, du coup la partie du salon. Donc, pour le moment, on a décidé de mettre ce sol-là et tout. Ça va être changé. Voilà, je vous le dis. Tout ça va être changé. On a la partie, du coup, cuisine. Je suis désolé, ça résonne beaucoup. C'est absolument désagréable. Mais j'ai eu un petit problème avec ma caméra. Donc ça c'est la cuisine tout simplement, avec ici, comme vous pouvez le voir, la vitre est cassée. La vitre est cassée, elle va être changée. Je vous montre directement la partie préférée. Et oui, il y a un garage du coup. Alors je ne sais pas si je vais mettre la voiture ou si je fais genre un cinéma, un truc, un squat. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais ça va être pas mal. C'est parti, nous allons voir les pièces les plus importantes, le setup, là où je vais travailler, là où je vais tout faire. C'est parti, suivez-moi. Voilà. Donc là déjà, je vous le dis direct. Il y aura un canapé, c'est Conforama. S'il y a des marques vraiment qui veulent nous aider dedans, ça me tiendra à cœur, les abonnés. N'hésitez pas à les contacter pour moi. Franchement, ça me ferait des économies pour d'autres projets. Voilà. Donc, s'il y a des marques qui veulent nous aider, genre Cdiscount, Amazon, je ne sais pas, qui veulent nous aider à meubler cet appartement, enfin cette maison, pardon, eh ben, n'hésitez pas. Voilà, si vous donnez un canapé, c'est avec plaisir parce qu'aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Donc, ce serait avec plaisir. C'est parti. Alors, là, j'ai un dilemme. Je ne sais pas ce que je veux faire exactement. Du coup, j'ai décidé de faire soit la setup dans cette pièce-là, donc la setup gaming, là où je vais faire les vidéos et tout. Alors, c'est un peu le bazar parce qu'on a commencé à emménager. Donc, du coup, alors, ça, c'est la première pièce. Alors là, ça résonne beaucoup moins parce qu'elle est meublée. Alors, est-ce que je fais la setup ici? Je ne sais pas encore. Peut-être mon bureau là avec mon décor qui sera du coup ici. Sachez que c'est un nouveau décor qui va arriver. Pareil, s'il y a des marques, n'hésitez pas. Sachez que le décor, j'ai déjà mes idées, je sais déjà ce que je veux faire et vraiment, je vous le dis, ça va être là où je vais faire mes vidéos, je vais faire mes lives. Du coup, je vais vraiment faire un joli décor que je n'ai jamais fait auparavant. Voilà, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui a de bon goût en déco. Salut, du coup, bah, je vais vraiment faire un truc, j'ai déjà des idées, on a déjà un peu dessiné tout ça. On sait à peu près ce qu'on veut mettre, maintenant on verra comment ça donne. En tout cas, ce serait une pièce assez sombre. De toute façon, la setup, bien évidemment, je vous en ferai une vidéo parce que je sais que c'est ce que vous voulez. Du coup, on en fera une vidéo, bien évidemment. Je vais recevoir du nouveau matériel gaming, peut-être un nouveau PC. Voilà, parce que j'ai envie de changer, j'ai envie de nouveau. Donc voilà. Ensuite, donc ça, ce sera la setup. Déjà, je ne sais pas. Alors, soit parce qu'en fait, les pièces sont identiques. Je crois qu'elle fait à peu près 15 mètres carrés, 14, je ne sais pas. Je suis très large. Mais en gros, voilà. Donc ça, c'est la première pièce. Il y a la même pièce également là-bas, du coup, qui fait à peu près la même taille. Du coup, je n'ai pas besoin de vous ramener là-bas parce que bon, voilà, ça sert à rien. Du coup, je ne sais pas si je fais soit la setup ici, soit là-bas. Je vais y réfléchir. Et ensuite, on a une chambre d'amis ici. Du coup, ce qui va être cool, c'est que si jamais, par exemple, demain, j'ai des abonnés ou des amis à moi qui veulent venir dormir ici, et bah, ils pourront. Donc, c'est assez cool, c'est ça. Donc, par exemple, des amis youtubeurs, salut Abdel et Zantar, tout ça, n'hésitez pas, ils pourront venir dormir ici. Bon, je ne vous montre pas cette pièce-là. Hein. C'est les chiottes, quoi, tu vois. Genre là, c'est le trône. Tu vois? En tout cas, voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a aussi, c'est une maison, comme je vous ai dit, une maison plein pied, donc il n'y a pas de hauteur. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un jardin. On va pouvoir faire des vidéos dans le jardin. On va pouvoir faire plusieurs trucs. Ça va être cool. Il y a plein de choses qui vont arriver. Le canapé, comme je vous ai dit, ici. Et on va vous montrer, du coup, la partie extérieure. C'est parti. Je vous emmène avec moi.
Oui, c'est électrique. On passe du coup dehors. L'idéal, ça serait que tu te mettes en face, comme ça le soleil va sur moi. Du coup, alors voilà, donc là on est à l'extérieur, comme vous avez vu. Donc tout ça, ça va être clôturé parce qu'il y a beaucoup de vis-à-vis. Donc tout ça, ça va être clôturé. Là, on va mettre du coup une terrasse. Donc en fait, maison, voilà, vous avez compris, on va se faire ça. Il y a deux parties en plus, c'est ça qui est cool. Ensuite, on a donc le jardin qui est sur deux étages. Alors là, je pense que je vais mettre des cailloux blancs. Ça va faire assez stylé. Je vais vraiment faire un truc bien. On va essayer de mettre une petite jacuzzi, une petite piscine là. Même si c'est l'hiver, c'est pas grave. On va faire ça. Et ensuite, voilà, on a plusieurs idées en tout cas. Je vous montre l'avancée, bien évidemment, sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir du coup cette maison. Et c'était un rêve pour moi d'habiter en maison. Vous savez que je viens de quartier et que c'est très bizarre quand tu as une maison. Et aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à YouTube et d'être là. Donc, c'est pour ça que je vous fais partager ce moment parce que pour moi, c'est important. Et vous pouvez voir la joie sur mon visage. Je suis content, je suis clairement content. Vraiment, en plus, ce qui est lourd, c'est Clermont-Ferrand, c'est bien situé. On est vraiment au milieu de la France. Ce qui est assez cool. Pourquoi il y a des criquets que j'entends là? Je transpire, hein, il fait super chaud. Mais en tout cas, ce qui est assez cool, c'est qu'à Clermont-Ferrand, on est au centre de la France. Enfin, au centre, vous m'avez compris. Et du coup, Grenoble, c'est à côté. Si je veux voir mon ami GameX13, c'est à côté. Si je veux aller à Lyon, c'est à côté. Si je veux remonter à Paris, c'est à côté. Bon, du coup, ça a stoppé. Alors, du coup, je continue. Comme j'ai dit, on est vraiment à côté. Quand je dis côte à côte, c'est à peu près une 3 heures, 2 heures de route. Et franchement, après, bon, il y a les transports, il y a la voiture. Donc, c'est ça qui est cool. On est vraiment côte à côte. Là, c'est vrai que j'ai repris contact avec tout le monde. C'est assez cool. Mais on a vraiment un très bon terrain où on va pouvoir... j'ai déjà des concepts de jeu, en fait, à faire. Et c'est pour ça qu'il me fallait aussi un jardin. Il y a plein de choses. Et on a, comme vous avez vu, c'est sur deux étages. Donc, il y a des pierres et au-dessus. Donc, à voir comment faire après, ce qu'on va faire ici. On a encore, du coup, l'autre partie de la maison. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros, je vais vous montrer juste la maison, comment elle est. Comme ça, ça va être pas mal. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a la fibre. Donc, du coup, on va pouvoir aller se faire des lives sur Twitch ou YouTube. Je ne sais pas encore. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà. Donc, voilà. En gros, on a vraiment une très belle maison qui fait 91 mètres carrés. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis très content en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à l'envoyer s'il y a des marques qui veulent vraiment nous aider, comme de l'électroménager, des canapés, ça me ferait plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez mon mail en description. Sachez que, bien évidemment, il y a des abonnés qui pourront venir à la maison. J'ai déjà des idées, j'ai beaucoup de choses qui pourront venir, tout ça, faire participer, ça va être assez cool. Bref, sur ce, on se laisse dessus. Likez cette vidéo, partagez-la si vous pouvez. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer des messages sur Instagram si vous avez des idées aussi de déco. Je suis preneur. Pour le jardin surtout, je suis pas très jardinier donc bon. Sur ce, ciao, on se laisse dessus. Ciao.